les choucrouloutes, ici Lupina pour l'épisode numéro 58 du Sum Baby Challenge. Challenge! Ça s'arrange pas, mon dieu. Alors, ils en sont à combien de bidules? Je t'ai dit de danser, Jaco. Alors, danse, il veut plus danser, d'accord. Bon, en même temps, il est crevé. Tu sais quoi, tu vas aller te coucher, mon petit David. Hein, parce qu'on va pas non plus te tuer. Du coup... Ouais, non, mais il est loin, hein, loin du compte. Oh, en plus, il lui en reste pas beaucoup. Faculté mentale, il faudrait qu'il augmente. Ah, c'est triste. Ah, mais attends. Va pas dormir, fais un petit peu d'échec. Oh non, il peut pas. Pff, c'est chiant. Bon, vas-y, va dormir, c'est bon, t'as gagné. Toi, pépère, il est temps d'aller dormir, je pense. Et toi, par contre, oh la vache. Alors, mon pauvre Robin, tu vas utiliser ça et prendre une douche et ensuite tu iras dormir. Voilà. Parce que là, ça craint. Ça craint. Ça craint beaucoup. Zou. Zou, zou, zou. C'est bon, Clémentine, elle a piraté du coup. Ça, c'est bien. Ça, on aime. On adore. Est-ce que tu peux aller t'occuper du jardin avant de dormir? Voilà. Go! Avec son petit bidou, elle est trop mignonne, la Clémou. Je sais pas si vous avez entendu, j'ai eu un espèce de... De râle dans la gorge, c'était très bizarre. Oh, on a des plantes à faire évoluer! Oui! On adore ça! Ah, ça c'est cool. Parce que quand vous faites évoluer vos plantes, après quand vous les revendez, elles sont encore plus chères. Et ça c'est cool ça. Ça on aime. On aime, on veut de la thune. On est des michetonneuses. Allez, on va apaiser le petit. On va lui le nourrir un peu là. Puis on ira dormir après. Bah, pourquoi il est debout lui? Pourquoi il est debout? Ah, il s'était pas douché. D'accord. Non, mais douche-toi, vraiment. Je sais pas ce que t'as avec ça, mais douche-toi. Oh, qu'est-ce qu'ils sont cons, ces Sims. Excusez-moi, mais franchement... j'ai envie de faire un truc, ils le font pas. Et après... Ah, bah, je pue. Mon odeur corporelle me réveille. Mon Dieu, t'imagines. Ça ferait un bon sujet d'émission à la con, genre tellement vrai, ça. Mon odeur corporelle me réveille. Ce serait horrible. Oh, il est 6h du mat, il a pas dormi l'autre. Oh, oh mon dieu. Bon bah écoutez, hein, c'est bien. C'est bien. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Du coup elle est peut-être au troisième trimestre elle, Jacqueline. Ouais, cool. Bon bah vous vous réveillerez juste pour aller à l'école hein, les gars. Non, toi réveille-toi à la limite, vite. Viens faire de l'échec, voilà. Viens faire de l'échec, vite, vite, vite. Et comme ça, tu auras peut-être ton quatrième point, parce qu'il reste pas grand-chose, là. Hein. Allez. Oui, voilà, il restait vraiment pas grand-chose. Donc tu as le droit d'aller faire pipi. Voilà, bravo, félicitations. De toute façon, ils mangeront à l'école, donc on s'en fout. Ah bah non, c'est bon, en fait, va à l'école. Hop, toi aussi à l'école. Allez, go, tout le monde à l'école. Go, 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 go. Go, go, gadget au bras. Allez, révise assidûment. Non mais on plaisante pas, nous, hein. Et toi aussi. C'est bon, normalement, le petit gars, là, il devrait être ado dans ce tépi. Le petit David. Alors, travailler davantage, hein, voilà. Gain de performance, c'est parfait. Écoutez. Oh, mais tais-toi le téléphone. C'est chez qui que ça sonne? Non, mais c'est bien, hein, tais-toi, toi. Le pauvre père, il a même pas le droit de voir ses gosses, tu sais. Oh! De quoi? C'est pas le même père? Quoi? Attends, c'est pas possible, c'est des jumeaux. Ah si, ça m'a fait peur. Mais alors c'est qui lui a souhaité son anniversaire? Ah, c'est Alexis. D'accord, j'ai eu peur. Je me suis dit, mais ouin, j'ai pas compris. Bref. Clémentine va t'occuper ton chiard qui nous emmerde. Pardon. Allez, go. Qui c'est que ça? Mais tu vas te casser de là, mon petit bonhomme! Mec, c'est pas porte ouverte, là, hein?
C'est chiant ça. Ils peuvent pas nous foutre la paix, les Sims. Allez, casse-toi maintenant. Vraiment, casse-toi. Je t'ai pas donné ma clé. Putain, excusez-moi, mais ça me saoule. Oh non, mais j'hallucine celui-là. N'importe quoi. Est-ce que je vais squatter chez lui, moi? Non? Bah alors qu'il me fout la paix. Aucune tenue, hein. Ah, ça me défrise. Le petit bidon de Clémou. Le petit bidon de Clémou. Allez, go. La la la, la la la. Voyons voir si vous avez des A. Oh, il est pas loin, lui, hein. Il est vraiment pas loin d'avoir. Oh. Il aurait eu son A si. Lui aussi, s'ils avaient eu le niveau 3 de compétence. Donc là, je m'en fous. Lui, c'est bon. Il va pouvoir grandir. Par contre, vous, je m'en fous. Vous arrivez là, vous dansez. Et vous cherchez même pas d'autres excuses. Vous dansez, c'est tout. Hop. Ce sera le dernier jour d'école. Et toi, du coup, on va ouvrir. Ah non, il faut que ce soit Clémentine qui ouvre. Donc normalement, il y a un gâteau qui est pas entamé là. Voilà. Hop. Tira me foutre des bougies là-dessus. Il peut pas. C'est génial. Ah, c'est peut-être parce qu'il n'est pas là, remarque. Pourquoi on peut pas? Ah voilà. Ah, il est revenu le petit. Donc normalement, c'est bon. Il a un A. Il va grandir et plus vite que ça. Tu vas t'occuper de ton petit. Changer la couche. Voilà, donc vous vous dansez, vous cherchez même pas à faire autre chose. Vous dansez, c'est tout. T'as mis tes bougies? Il a pas mis les bougies. Mets les bougies, trou de balle! Voilà, merci. Et souffle-les maintenant. Oh, il n'y a plus de respect. Ouais. Allez, c'est bien, David. Il va être ça. Peintre extraordinaire. Non? Bah, j'avais cliqué dessus. Bon, bah, c'est pas grave, ça a Wings clic. Et puis, ça. Jaloux. Super. Donc, on a un jaloux dans la famille. C'est génial. Tu vas tout de suite aller danser. Et plus vite que ça. Alors, qui atteint la compétence 3 là? Toi? Parfait. Bon, alors c'est bon. T'arrêtes de danser et tu vas faire tes devoirs. Allez, go! Go, go, go! Je vous dis, mes enfants grandissent plus vite que les bébés. Bonjour, je m'ennuie, mais rentre chez toi, Edouard, trouve-toi un job! Allez, casse-toi, on peut lui dire casse-toi? Non. Ah si, demander de partir. Allez, hop! Casse-toi, c'est bon, je t'ai nourri, je t'ai élevé, maintenant tu dégages. Allez, du balai. Non mais oh, il a cru lui! Il a cru qu'on était sa mère ou quoi? Bon, ok, on est sa mère, mais c'est pas une raison. La meuf qui déteste ses enfants. Ah, c'est bon, il a le niveau 3. Va faire tes devoirs. Hop. Voilà, on va être tranquille là. Mais Robin, fais du travail supplémentaire et plus vite que ça. Du coup, il n'a pas besoin de manger, il a juste besoin de se divertir. Donc, il va se divertir prompto. Il va regarder un film, je sais pas, moi, regarde la chaîne Humour. Et toi? Toi, t'as besoin de manger. Donc, tu vas manger un truc. Voilà, mange ça. Et ensuite, tu feras du travail supplémentaire. Et tu iras regarder la chaîne Humour. Voilà. Et lui alors? Mais pourquoi il a mis ça dans son inventaire? Mais n'importe quoi, lui! N'importe quoi! Dans le frigo, j'ai dit. Oh non, mais je te jure! Il y a combien? Oh, il a grave sommeil, le pauvre. Allez, zout, t'y es presque! Ça va être niveau 2, je pense. Voilà, donc niveau 2, c'est parfait, merci. Tu peux aller faire tes devoirs.
Allez, go. Non, mais vraiment, fais tes devoirs. Voilà, merci. Oh, mais attendez, j'ai pas vu, mais c'est quoi ce look? Oh. N'importe quoi. Allez, va pisser. Vas-y. Vas-y, vite. Voilà, donc il va faire pipi, c'est bon. Et t'iras te coucher. T'as fini tes devoirs ou pas? Ouais, c'est parfait. Bah, t'iras te coucher. Toi, mon petit lapin, tu vas prendre une douche. Et puis, bah, pareil, t'iras te coucher. T'as fini tes devoirs? Attendez, il a pas fini ses devoirs. Oh, il s'est pissé dessus? Ah non, il pue juste. Ok. Oh non, il a pas fini ses devoirs. Fini tes devoirs. Il a même pas fini de manger, le mec. C'est pour vous dire. Mon toit, mon chat. Allez, go. Et fais tes devoirs. Au moins les faire, c'est même pas de travail supplémentaire, juste les faire. Et ensuite, tu iras te coucher. Oh! Aurélien, deviens enfant! J'avais pas vu! Allez, tu deviens enfant turbulent, c'est génial. Et puis, je sais pas, moi, ça. Kleptomane, super! Super! Bon, bah, tu vas venir faire tes devoirs, Aurélien, qu'est-ce que je te dise? Du coup, on va ajouter quelqu'un au groupe. Ah oui, alors, faut que je prenne le chef. C'est Robin, évidemment. C'est celui que je prends en dernier. Brum, brum, brum. Le petit Aurélien, et voilà. Hop. Go, go, go. Pourquoi il va pas dormir, lui? Ah, il finit ses devoirs. Oui. Bah oui, mais c'est la vie, hein, pépère. Faut que demain tu dégages de la maison, hein. C'est comme ça, écoute. Alors, d'ailleurs, en parlant de dégager de la maison, on va vendre le berceau. Oh, je suis désolée, vous entendez la machine à laver, je suis désolée. Je viens de tilter. Désolée pour ça. J'espère que ça vous dérangera pas trop. Aïe aïe aïe. C'est pas très professionnel tout ça. Hein. Bon, en même temps, je suis pas une pro. Hein. En même temps, quelle idée de foutre la machine à laver à cette heure-là. Je te jure. Je te jure. Vous irez vous plaindre sur la chaîne de Rennes. Voilà. La meuf. Allez, dépêchez-vous pour aller dormir. Ok, donc Aurélien a fini ses devoirs. C'est bien, Aurélien. T'es un gentil petit. L'autre, il serait évanoui, c'est super. Donc maintenant, tu vas danser, Aurélien. Jusqu'au bout de la nuit. La, 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 la. Est-ce que t'as bientôt fini, Germain? Parce que c'est bon, là, maintenant. Trois plombes pour ça, quoi. Allez, hop. Allez, fais tes devoirs. Ah, c'est du travail supplémentaire. Bah, c'est parfait. Il m'entraîne au bout de la nuit. C'est bon, tu peux aller pioncer. Allez, va pioncer. Pronto. Voilà, donc lui, il dort. Le petit Aurélien, tu vas réclamer ce lit. Tu vas aller te coucher. Voilà, c'est bon. Non, attendez, il est presque là. Allez, danse encore. Il va bien, donc ça va, hein. Allez, tu y es presque. Tu peux le faire. Oui, on croit en toi. Non, tu t'es réévanoui. Youpi. Allez, t'avais presque fini. Tu nous fais chier. Allez, dépêche-toi. Dépêche-toi. Et voilà, tout ça pour ça, tu sais. Allez, c'est bon, va dormir. Je te laisse tranquille. En fait, mes sims, je les maltraite. Hein. Je les maltraite. Je me venge de tous les gens qui m'ont fait chier. En fait, ça doit être ça. Bon, Clémentine, c'est quand que t'accouches? Bientôt, j'espère. Dans cet épisode, j'espère, parce que voilà, hein, on attend que ça, nous. Allez, ah, c'est bon, la machine a fini. Donc, je suis désolée pour le bruit. Je vais arrêter de crier. Je suis désolée pour le bruit, les mecs. Eh ben voilà! Il suffisait de demander! Alors, on va enregistrer sous au cas où ça plante. Et puis, on va aller tranquillou, gilou. À l'hôpital! 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 Non, j'avais dit que cette fois j'accoucherais à la maison pour voir. S'il fallait accoucher à la maison pour. Oh, puis de toute façon, c'est pareil, hein. Je sais pas, je sais pas. Bon, on va racheter un couffin et puis on va voir.
Mais je pense pas que ça change quelque chose. Je pense pas que ça change quelque chose. Alors, le petit Koufeng. Voilà. Allez, vas-y. Pousse. Pousse, ma vieille, pousse. Lui, il danse, il en a combien? Niveau 3. Ok. Donc, dès que tu auras... Oui! Enfin! Enfin une meuf! Merci! Ripez vos oreilles. Alors, je vais l'appeler Coin Coin. Et voilà, ma petite... Elle est où la petite Lilou? Lilou! Where are you? Elle est là, d'accord. Ah, mais je suis trop happy, les mecs. J'ai gueulé comme un putois. Il y a Ruru qui m'a regardé en mode. Mais ta gueule! Ta gueule, putain! Je suis désolée, Ruru. Oh mon Dieu! Des jumelles, ouais. Alors, je vais noter tout ça. J'ai encore oublié d'ouvrir le document. Putain, j'ai plus où donner de la tête là. Ah, oh, je vais dire ça à mes copains qui vont être en mode. Ah bah, tu vois, ça servait à rien de gueuler. Ils auront eu raison. Alors, du coup, c'est qui le papa de ces petites jumelles d'amour? Eh ben, c'est Shoria. Voilà, donc, Shoria, tu nous as donné coin-coin. Bravo pour cet enfant magnifique. La connasse. Et Lilou, voilà, gros bisous, Lilou. Alors, Lilou, d'ailleurs, c'est une abonnée. Donc, son nom d'abonnée, c'est Jenny Bailey, je sais plus. Et en fait, elle fait aussi le 100 bébés challenge et elle a que des jumeaux et des triplés. Voilà, donc elle me fout bien le seum. Tu vois, tu vois. C'est bon, je les ai, les jumeaux. Je les ai. Ça fait deux fois en peu de temps hein, quand même. Hein. On a eu des jumeaux, un norm deux normaux et des jumelles. Oh, je suis trop contente d'avoir des filles. Donc, du coup, ce sera peut-être Lilou, notre prochaine matriarche, puisque c'est la dernière née et elle est née après Queen Queen. Donc, on va se calmer. On va se calmer le cul là. Hein. Je suis en mode. Alors, on va appeler notre petit copain. Il va nous envoyer chier. C'est qui qu'on devait appeler? C'est Johnny. Johnny. Fais-moi mal. J'appellerai à 6h du mat, peut-être, parce que là, il va dormir. Il va juste me dire d'aller me faire voir. Nourrir. Oh, je suis trop contente. Oh, ça fait du bien d'avoir des jumelles. Par contre, mon petit loup va te coucher, en fait, parce que. Là, c'est pas possible, quoi. De toute façon, ça va être le week-end, donc on va tranquillement, tranquillement. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Je sais plus ce que je cherche. Ça va être le week-end, donc on peut tranquillement, tranquillou, gilou. J'arrive plus à parler, les mecs. Je suis trop contente pour mes jumelles. Oh, je suis désolée pour vos oreilles. Je pense que vous êtes morts de l'intérieur, là. Je suis vraiment désolée. Alors, bien évidemment, elles vont me faire chier, ces petites jumelles d'amour. Mais je les ai eues. Donc, je sais pas si c'est le hasard ou quoi, mais les fraises, ça semble marcher. Donc apparemment, si vous prenez plein de fraises, vous avez des filles. Parce que je sais que j'en avais bouffé 10 avec Clémentine. Et on a eu des filles. Alors, je sais vraiment pas si c'est le hasard ou pas. Si vous avez essayé plusieurs fois, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si quand on mange des fraises, vous avez des filles. Et si quand on mange des carottes, vous avez des garçons. Surtout, dites-le moi parce que moi, ça m'intéresse. Après, j'ai testé. Donc voilà. Donc encore une fois, je sais pas si c'est le hasard ou quoi. Je suis trop contente d'avoir des filles là. C'est bon là. Je vous lâche plus les meufs. Hein. Vous resterez avec maman jusqu'à la fin de la vie. Sauf si on a d'autres filles après, évidemment. Oh putain, je suis trop contente. Je suis trop, 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 trop happy. I'm so happy. Bref. Ah, je suis contente, mais je suis contente. Toi, tu vas aller faire un pissou, par contre, parce que là, c'est plus pour... Oula, qu'est-ce que c'est? Réparer la plomberie. Non, mais réparer de quoi? C'est bon, on a du fric, on remplace. Hop. Non, mais oh. Allez, lève-toi. Va prendre une douche, mon pauvre lapin.
Allez, vas-y tout de suite. Mais vas-y, au lieu de te dandiner. Oh, mais c'est Sims, je te jure. Oh, on a des jumelles, on a des jumelles. On a des jumelles. Je suis trop happy. Non, je suis trop happy. On a des jumelles, ouais. Ah, oh, mais là, mais j'en peux plus, là. JPP, je suis au bout de ma vie, hein. Je suis trop contente. Trop contente. Est-ce qu'il a cours du coup le petit? Non, ça a pas l'air. Mais dors, mon petit lapin. Voyons, Aurélien fait des beaux rêves. Oh, je suis trop contente. On a des jumelles. Oh là là, oh là là. Mais c'est presque aussi beau que les jumeaux. Mais là, vous comprenez, c'est des filles. Ça veut dire que ma descendance arrivera. J'avais complètement zappé environ Elancia et Keraline. Du coup, je me suis retrouvée en mode, mais on a que des mecs. Il y a un problème. Qu'est-ce que je vais faire? Je suis trop happy. Trop happy. I'm so happy. Je me suis trompée de lit. Voilà, allez, hop, en cours. En cours, les lustres crus, vous mangerez là-bas. Zou! Alors, révisez assidûment. Révisez assidûment. Et toi aussi, petit lapin. De toute façon, les jumeaux, là, ils s'en vont. Hein. Ce soir, ils s'en vont. Mon petit David. David, n'importe quoi. Mon petit Aurélien, d'amour, Aurélien. Ah, tu as école aussi, donc Aurélien, tu y vas. Désolé. Allez, go! Go! Tu feras pipi là-bas aussi. Voilà. Alors, partagez les réponses. Non, mais on n'aide pas, c'est bon. Nous, on aide les gens, et puis au final, ils finissent par vous cracher à la tronche, alors. Oui, c'est bien, c'est mon anniversaire, bravo, tu t'en es souvenu, tu veux un gâteau ou comment ça se passe? Oh, je suis trop contente. Alors, elles sont déjà en train de chialer, de me casser les pieds, mais c'est des jumelles! JPP là, JPP de la vie. Ah oui, zut, on doit appeler Johnny. Alors, je veux juste copuler avec Johnny et ensuite on termine l'épisode. Voilà, parce que quand même. Johnny. Il est où ce con? Bah, Johnny, t'es où? Bah. Ma. Johnny. Bah, je l'avais pas. Mais on lui avait parlé, vous vous souvenez? Bah, what? De what? On lui avait parlé pourtant. Johnny, you. Moi, je voulais Johnny, hein. Ça plaît, j'enfile. Attendez. Voilà, ça va être mieux. Toi. Hop. Alors, du coup, Isora, coin coin les loups, gna gna, Uvario, Harmonie, Alan, Axel, Charlène, Sims, blablabla. Alexis, Noki, on a eu un bébé avec? Oui, on a eu Aurélien. Ok, Jean-Phil, ça plaît, Alexis, Aurélie, Rory, Elancia, Fabrice, Elodie, Francis, Jérémy, Léa, Léo, Lalaïla, Miko, Penny, blabla. Bah non. What? What? Attendez, on peut améliorer sa relation avec des chiottes. Ok, non mais respect là. Respect. Oh mais non. C'est n'importe quoi. Bah du coup, eux, on les a déjà tous scam, hein. Bah écoutez, on va bouger, on va aller voir Johnny. On va aller voir Johnny, on va le pécho chez lui. Et puis voilà, c'est tout, hein. Écoutez, il n'y a pas à tortiller du fion, hein. Je sais où il habite, je sais où t'habites, Johnny. Ah peut-être pas en fait, parce que non, il a plus de maison. Eh ben c'est pas grave. Écoutez, on va aller ici et on va ah ben et voilà, Johnny Zest. Alors, ben, j'ai pas compris pourquoi on pouvait pas l'inviter et soudain on peut, hein. J'ai pas compris. Si quelqu'un a compris, qu'il me fasse signe. Où est-ce qu'on peut aller alors? Ben, on va aller chez nous et on va inviter Johnny. C'est pas possible, dommage, ça aurait été drôle. Non, ben on va aller là avec Johnny et on va rajouter un lit, tout simplement. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Oh, mais non. Je veux Johnny. Je le veux. Je l'aurai. Je l'aurai. Je t'aurai, Johnny. Ah, j'ai des jumelles, les jumelles, les jumelles. La chance commence peut-être à venir.
Johnny, coucou. Ah, mais oui, c'est parce qu'on lui avait à peine parlé, c'est pour ça. Bon, écoutez, on va directement lui rentrer dans l'art, hein. Ça marche avec les autres, si ça marche pas avec lui, ben. Allez, go. Allez, vas-y, drague-le. Fais pas semblant de façon, hein. Voilà, c'est ça qu'on veut. Oh! Attends, il a déjà marché? Oui, non mais il marche, hein. Il marche pas, il court là. Oh la vache! Par contre, ça a pas l'air de monter, enfin c'est bizarre. Ah si, c'est bon, ça y est. Envoyer un baiser, on va le baratiner. Ah, tu es vraiment très beau, Johnny. Oh, Johnny! Pardon. Embrasser les mains. Allez, vas-y, fais tout ça et ensuite on va aller avec lui chez nous. Voilà. Donc on bouge avec lui. On retourne chez nous pour avoir les bénéfices du terrain là. Oui, vas-y avec lui. Oh, Johnny! Je suis désolée, du coup l'épisode va être un petit peu plus long, mais je refuse de terminer un épisode sans avoir sans être à nouveau engrossée. Voilà. Allez, s'il te plaît, le chargement. C'est toujours quand on est pressé qu'on a l'impression que le chargement dure 3 ans, en fait. Et ça, c'est censé être une épaule dénudée. Merci beaucoup. Le t-shirt. Le truc qui remonte tout seul, on lui a rien demandé. Rien demandé. J'ai des jumelles, j'ai des jumelles. La 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 la. Allez, Johnny, on va se pécho. Et plus vite que ça. Pendant que les enfants sont à l'école, pouit pouit pouit, premier baiser. Hop, 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 hop. Et voilà, c'est bon, c'est pas verrouillé. On peut le pécho bien gentiment. On va lui embrasser les mains. Donc ça, on va réduire du coup. Hop, pouit. Et c'est parti pour le pécho. Pécho, pécho. On va le faire 2 fois de suite. Trois même. Allez, go! Go, pécho! Salut, on fait un bébé! Ouais, ok, on se connaît pas, mais c'est parti! Oh, Johnny! Qu'est-ce que c'est? Je lui plais, c'est sûr! Oh, c'est trop mignon! Oh, regardez! Oui! Allez, on recommence! Un petit coup! Un petit coup derrière la nuque, vite fait! Un petit coup dans le plumard! Oh, ne l'aide pas, on s'en fout! Oh! Prout! Allez là, mais péchotez-vous! Qu'est-ce qu'ils foutent? Ils sont en train de prendre le train ou comment ça se passe? Mais qu'est-ce qu'ils font? Mais baisez-vous! Bon, pourquoi on peut plus faire que crac-crac? Hé! Mais c'est pas juste! Il est où l'autre Bernard? Sérieux, tu t'occupes pas de mes jumelles, tu touches à ton cul! Oh! Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept. Oh, donc là, on n'en aura qu'un. Attendez. Je suis pas d'accord, là. Je suis pas d'accord. Bon, on va t'occuper de tes jumelles en attendant que les gosses reviennent. Non, bah écoutez, c'est pas grave. C'est le jeu, donc... On va voir, hein. On va faire un test de grossesse, du coup. Je suis encore désolée pour la machine à laver. Fais un test de grossesse, mais c'est sûr qu'elle est enceinte, du coup, vu qu'ils me disent ça. Alors? Alors? Voilà. Allez, c'est bon. Johnny, tu peux dégager. Au revoir. Au revoir, Johnny. Au revoir. Bisous. Et sur ce, moi aussi, je vous dis au revoir, puisque ça a carrément trop duré longtemps. Je vous fais plein de bisous, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à commenter, à partager, à liker, à m'envoyer des papas. Et salut!